Devenu le plus grand maestro de Nagli en juillet 2018, Kevin est aujourd'hui 8e dans la hiérarchie de N'oubliez pas les paroles, devance par Margot et désormais Caroline. Il a fallu 54 victoires à cette dernière pour dépasser les gains du candidat qui était arrêté à 43 succès. Ce mercredi 20 octobre 2021, Romain est présente sur le plateau en interprétant Attache de Christophe May. Les titres des mots qui ressonnent de Jennifer, Dieu le taxi chante par Vanessa Paradis ou encore Madame Pavoko de Black M ont permis de départager les deux adversaires. La maestro est en position 1 à 87 avant de se réserver mon petit gadé 1 Christophe May qui a fait coup double. En ajoutant 10 000 euros à sa cagnotte, elle a ainsi totalisé 411 000 euros, contre 410 000 euros pour Kevin. De quoi la de concentrer pour la suite? Si la maestro n'a pas failli lors de son duel avec Manon, puisqu'elle a dispose de cette dernière sur le score de 189 à 60, la détentrice du micro des argent n'a pas été en mesure de faire gonfler ses gains. Avec 530 000 euros, Margot dispose encore des un matelas confortable pour espérer se maintenant tout en haut de la pyramide. Les deux femmes pourraient en découdre lors des masters qui débutent le mardi 26 octobre. Le premier rendez-vous a séduit 2,32 millions des aficionados et 16,2 millions ensemble du public, dont 14,7 femmes responsables des achats. En access, le jeu de karaoke a convaincu 3,34 millions des individus, soit une part des audiences s'élevant à 18,3 et 15,9 et ménagères. Malgré l'enjeu de la soirée, France 2 a décliné des un jour sur elle autre avec successivement 2 et 3 de points égards sur la cible commerciale, ainsi que des replis de 1,6 et 1,4 sur elle ensemble du public.